Aujourd'hui, dans Météo à la carte, avis de Mistral sur le port de Sainte-Maxime, avec des rafales à plus de 130 km/h. Et sur la Côte d'Azur, il se raconte que quand le vent souffle fort, comme c'est le cas 130 jours par an, la mer offre aux pêcheurs ses plus beaux poissons. Alors, au menu du jour, loups de mer, agrumes et petits légumes de saison. Oh, Christian, ça va? Alors, ce matin? Bah écoute, ça fait bouger un peu les loups, j'en ai pris un petit. Ah, le Mistral. Ah ouais. Une barbue, mais j'ai pas fait grand-chose. Bah écoute, je vais tout prendre, mais là, je vais faire une petite recette avec ce joli petit loup. Ce joli petit loup n'est autre que le nom du bar en Méditerranée. Et celui qui va nous le cuisiner porte le nom consacré de Geoffrey Poisson. Depuis 15 ans, il est le chef de son restaurant dans le Var, tout près du port de Sainte-Maxime. Dans la cuisine, je privilégie toujours une pêche très locale, adaptée à la saisonnalité, forcément, mais surtout quelque chose qui vient à 1 kilomètre proche de zéro. Et là, je veux dire, il y a 500 mètres à faire, on a pris la pêche du jour et on va se débrouiller avec ça. Tous les matins, notre chef vient s'approvisionner chez Christian, pêcheur au pied marin et assez peu frileux. Ça m'arrive de mettre des chaussures quand il fait très froid. Pour l'instant, souvent il fait beau, il y a un peu de soleil, petit Mistral, mais ça va, il fait chaud. Partant du Mistral, le loup est beaucoup plus nerveux, donc il va naviguer un petit peu plus vite dans l'eau pour chasser. Comme ça peut nous énerver, nous, le vent, ça excite un peu le poisson, tout ça, donc il va se prendre plus facilement dans les filets. À 46 printemps, cet enfant du pays a troqué son magasin de plongée contre un bateau de pêche pour enfin vivre de sa passion. Depuis tout petit, j'ai fait énormément de chasse sous-marine, ce qui m'a amené aux compétitions, championnat de Côte d'Azur, championnat de France, la recherche de la belle prise, la recherche du poisson trophée. J'ai aucun regret, moi. J'aurais dû attaquer beaucoup plus tôt. C'est la liberté. Eh bien, écoute, ce joli loup, je vais lui mettre un peu d'agrumes, quelques légumes, je vais le retirer comme ça. Tu sais quoi? Je vais faire même mieux. Je t'invite à monter le manger tout à l'heure. Bah, tu sais quoi? Je pense que c'est le mieux. À présent, direction la cuisine, c'est parti pour la recette. Première étape de notre recette, on va s'occuper du loup. Il faut le préparer, écailler, vider. Pour vérifier qu'un poisson est frais, c'est très facile. Deux solutions. L'œil, on voit qu'on a un œil bien bombé et brillant. Et après, au niveau des ouïes, on a des ouïes bien rouges. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez évidemment le faire faire par votre poissonnier. Allez. Pour que mon poisson, je vais prendre un plat assez long, assez large. Je vais poser mon poisson au fond. Je vais ajouter vin blanc, huile d'olive, jus de poisson, vinaigre de tomate. Tous les liquides qu'on a mis, c'est chaque fois le même volume. Autrement dit, un petit bol. Geoffrey assaisonne son poisson avant de le laisser mariner quelques minutes. Et quand il n'est pas en cuisine, il aime s'offrir un peu de quiétude sur la pointe des Sardinos, également appelée la Petite Corse, un lieu cher au cœur de tous les Maximois. Ah, moi j'ai plein de souvenirs ici, c'est les premiers oursins que j'ai donné à manger à ma fille, elle n'avait pas 2 ans. C'est l'annonce à l'époque de la première étoile. Même si aujourd'hui notre chef n'a plus son nom dans le célèbre guide rouge, il aborde la cuisine avec plus de sérénité. Avec le simple plaisir d'un sourire me ravit autant que n'importe quelle récompense. Et comme je dis souvent, la cuisine c'est le reflet de l'âme, c'est une histoire d'amour. Et quand on le prend plus simplement, l'amour est plus facile à donner. Retournons donc en cuisine où Geoffrey s'attelle à la découpe de ses légumes. J'ai choisi des carottes pour la saison, fenouil, des pommes de terre qu'on a juste fait un peu blanchir un petit peu avant pour qu'elles soient assez cuites, de l'ail, les derniers agrumes qui sont du village d'à côté du Plan de la Tour. Voilà, on va en faire une, puis une petite deuxième. On les sent, elles sont très parfumées. Notre cuisinier du jour termine par des cébettes et des navets. Il dispose ensuite tous ses fruits et légumes qui vont cuire en même temps que son poisson. Enfin, il vous confie sa petite touche personnelle. Les noisettes lacto-fermentées. Alors, ce sont les premières noisettes de la saison qu'on a eues au septembre, qui viennent du Piémont, qu'on a fait tremper dans de l'eau de mer. Jusqu'à maintenant, ça leur permet de garder leur texture naturelle sans en fait sécher ou pourrir. C'est une méthode ancestrale, on faisait les premières conservations comme ça au temps des Romains dans de l'eau de mer. Donc je vais enfourner mon poisson 12 minutes à 180 degrés. voilà. Christian, ton loup, regarde. Des petits légumes, un petit jus de cuisson, un loup de nos côtes. Magnifique, on va se régaler. Si pour le moment Geoffrey invite à table ses amis, il a surtout hâte de reprendre du service. Quand ça sera le cas, parce que je ne doute pas que ça sera le cas, je serai content de retrouver mes clients, de les régaler et d'avoir un sourire immédiat ou une réaction immédiate. De repartager une passion et un état d'être et un état de vivre avec eux.